Cette élection se relève d'un processus bien huilé, réglé au jour près et qui se renouvelle tous les 4 ans, même si plusieurs partis se présentent, seuls 2 dominent, les républicains et les démocrates. Comment fonctionne-t-il Monde d'emploi avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Les temps ont changé pour les partis politiques et les électeurs qui les soutiennent. Abraham Lincoln a été le premier président américain élu sous les couleurs du Parti républicain. Il a dirigé le parti pendant la guerre civile et a préservé l'Union et a mis fin à l'esclavage. Après la guerre, les électeurs afro-américains, nouvellement émancipés, ont soutenu le Parti républicain qui était attaché aux droits civils pour les émanciper. Dans le même temps, le Parti démocrate comprenait des suprémacistes blancs qui s'opposaient aux droits civils des citoyens noirs. Au cours du XXe siècle, les choses ont commencé à changer. Le démocrate Franklin D. Roosevelt, élu pour la première fois en 1932, a rendu son parti plus attrayant pour les Afro-Américains. FDR a pris des mesures pour sortir le pays d'une dépression économique. Pendant ce temps, les droits civiques sont devenus moins importants pour de nombreux républicains. Le soutien afro-américain à FDR a augmenté en 1936. Le soutien au candidat démocrate à la présidentielle est resté fort depuis lors. Un autre changement a commencé dans les années 60. La loi sur les droits civiques 1964 et la loi sur les droits de vote 1965 ont été adoptés avec le soutien des deux partis à la demande du président démocrate Lyndon Johnson. Après ces votes, les démocrates ségrégationnistes blancs ont fui le parti en grand nombre, créant des majorités républicaines à travers le Sud. Le paysage politique moderne est aujourd'hui presque une image inversée de celui qui existait il y a plus d'un siècle, avec les Afro-Américains soutenant massivement les démocrates et les républicains soutenus principalement par les électeurs blancs.